suis ici dans cette belle maison pour une semaine avec deux chiens. Et ça fait juste tellement du bien de se retrouver à nouveau dans une maison connectée à la nature. Enfin vraiment, en fait là, cette maison-là, elle est au pied d'une forêt, donc le jardin est connecté directement à la forêt. On a vu sur une vallée, donc c'est super joli et ça fait juste tellement du bien de nouveau de se retrouver en pleine nature, d'être en lien direct avec la nature. Enfin, même à l'intérieur, on est connecté, on voit l'extérieur. Enfin, il y a une jolie vue, c'est dégagé et c'est chouette. En plus, j'ai les deux chiens avec moi. Iris et Jack, un petit chien et un plus gros chien. Donc ça, c'est chouette aussi de m'occuper de ces deux petits chiens. Et ça fait juste tellement du bien de retourner dans la nature. C'est fou à quel point je sais que c'est de ça dont j'ai besoin. C'est vrai que là, ça a été assez pénible la recherche de maison, donc je vais mettre un petit peu en pause pour le moment. J'ai pas mal de plans qui vont faire que je vais peut-être pas avoir besoin de déménager tout de suite, parce que je vais pas être à Paris pendant plusieurs mois. Je vous en parlerai un peu plus tard. Mais voilà, en tout cas, ouais, je sais que c'est cette vie-là que je vais avoir et quel bonheur, quel plaisir, c'est incroyable à quel point ça fait du bien et c'est libérateur. Enfin, j'arrive pas à expliquer à quel point c'est juste parfait. C'est tellement bien, tellement juste. Je sais que c'est la vie que j'aime en fait. Le fait de se réveiller, d'avoir vu sur les arbres, la nature, d'entendre le vent, d'entendre les oiseaux, d'être dehors, je respire en fait. J'ai l'impression d'être libre, libre. Je sais pas, j'ai pas d'autres mots, mais c'est juste tellement chouette. Do you listen me? Ouais, je pense que c'est bon. Ok. Bon, bah la semaine ici touche déjà à sa fin. C'est passé relativement vite. C'était hyper agréable, forcément. J'étais un peu dans mon élément, on va dire. Donc forcément, c'était super chouette. Ça m'a fait du bien de revenir un peu dans une maison en pleine nature. Quand j'ai rendu l'autre maison, je suis rentrée à Paris, tout ça. Donc c'était un peu compliqué. Et ça m'a fait du bien et j'ai réfléchi à plein de choses pendant cette petite semaine. Du coup, je pense que je vais avoir plein de vidéos à vous faire. J'ai plein de choses à vous dire et je pense que je ferai une vidéo par idée, ce sera plus simple. Mais en tout cas, là, ce qui revient beaucoup en ce moment, c'est surtout je me questionne beaucoup sur mon contenu sur YouTube et aussi sur le fait que Je me montre beaucoup sur Internet, beaucoup sur les réseaux, beaucoup sur YouTube aussi, même si je suis quand même une personne qui fait peu de vidéos, je pense. Enfin, je sors une vidéo toutes les 2 à 3 semaines, ce qui est peu, on va dire, aujourd'hui, au vu de ce qui se fait plutôt sur YouTube, en tout cas. Après, c'est vrai que sur Instagram, je partage quand même pas mal de choses. Je fais beaucoup de stories, surtout, parce que mon feed Instagram, c'est que mes photos artistiques. Mais je trouve que je me montre beaucoup sur Internet et je me posais beaucoup de questions vis-à-vis de ça. Le fait qu'il faille que je... Parce que maintenant, c'est vrai que j'ai changé un peu mes formats vidéo et je vous montre un petit peu plus de ma vie, un peu plus de mon intimité. C'est ce qui permet aussi de vous montrer mon mode de vie et de vous montrer d'une manière un peu plus concrète, j'ai l'impression, tout en ayant ce contenu un petit peu artistique et poétique que j'essaye d'avoir, parce que moi, c'est ma marque pas ma marque de fabrique, mais c'est mon empreinte, ma signature. Voilà, on va parler de signature. Et c'est vrai que du coup je vous montre beaucoup plus de choses comparé à ce que je faisais avant, et c'est vrai que je me questionne beaucoup par rapport à ça, parce que là je viens de passer une semaine ici, j'ai eu envie de vous faire une vidéo pour vous montrer un peu ma semaine ici. Là pour le coup c'est une vidéo qui n'est pas du tout engagée, c'est juste une vidéo à base de forêt, de chiens et de chill, mais ça fait du bien aussi de temps en temps. Et juste sur le fait de vous montrer beaucoup plus de ma vie, de me filmer, de devoir me filmer dès que je fais des trucs et tout, c'est parfois d'ailleurs un peu compliqué. Oh, il y a un chien qui vient me voir. C'est parfois... alors Pépère, tu viens? Bonjour Iris. J'ai le chien avec moi. Et j'ai le soleil aussi qui revient. Désolée, ça va être cramé de ouf. Le temps est assez instable là. Je vais baisser un peu la luminosité. Ouais. Ok, et donc ce que je disais, c'est sur le fait de vous montrer beaucoup plus de mon intimité, de devoir me filmer. Là par exemple cette semaine, c'est moi qui ai voulu aussi ça, je me suis filmée plein de moments où j'étais avec David, on faisait des trucs et je dis attends je sors la caméra, je vais filmer ça et tout, et c'est un peu pas pénible parce que j'aime faire ça. Je remonte, je suis désolée, la lumière est toute nulle, il y a des chiens qui se sont mis avec moi. C'est pas pénible parce que j'aime faire ce que je fais et j'adore raconter des histoires, monter les vidéos, enfin c'est un truc que j'adore et c'est pour ça que de temps en temps, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, j'essaie aussi de faire des petits courts-métrages et des vidéos un petit peu plus, encore plus travaillées on va dire. Désolée, j'ai du mal à venir à ma pensée, mais ce que je voulais dire là, c'est que par exemple pendant cette semaine, j'ai beaucoup sorti ma caméra, j'ai filmé quasiment tout ce que je faisais. Même quand je me promène, pour Instagram par exemple, je me promène et je fais des stories pour montrer ce que je fais, je partage mes recettes, je partage des trucs que je fais dans la vie de tous les jours. Et il y a quand même une partie de moi qui trouve que c'est un peu pesant parfois et un peu bizarre de montrer tout ça sur Internet et d'être obligée de... Enfin, je suis pas obligée, encore une fois, c'est moi qui décide de le faire et ça me fait super plaisir de le faire. Mais malgré tout, je me pose quand même des questions sur les réseaux sociaux et sur YouTube et le fait de montrer mon intimité et montrer ma vie, parce que ça change complètement mon quotidien. C'est-à-dire que maintenant, tout ce que je fais, c'est potentiellement utile pour une vidéo, potentiellement utile pour mon contenu. Et donc, tout ce qui est de mon quotidien, de mon intimité, n'importe quand, je peux sortir ma caméra, filmer, faire des choses. Et en fait, d'une, je m'arrête jamais parce que là, par exemple, c'était plus ou moins une semaine de vacances, mais j'ai filmé plein de choses. J'ai pas réussi à totalement profiter au début parce que je réfléchissais à comment mettre en scène cette vidéo, comment essayer d'avoir un contenu qui soit là, cette vidéo soit un petit peu scénarisée, enfin voilà, qu'il y ait quand même des choses, que ce soit cohérent en fait. Et c'est vrai que mine de rien, c'est tout le temps présent. J'arrive beaucoup moins à chiller en quelque sorte parce que je pense tout le temps à mes vidéos, tout le temps à mon contenu, tout le temps à ça, parce que mais c'est parce que j'adore faire ce que je fais. Et en soi, c'est encore une fois pas trop un problème parce que ça me passionne, mais je dois quand même noter que c'est tout le temps présent, que je dois tout le temps sortir ma caméra, que j'ai plus aucun moment sans ça. Et même quand je pars en week-end, quand j'arrive pas à ne plus y penser, c'est tout le temps présent et j'arrive pas à faire de vrais breaks avec ça. Et encore une fois, pour le moment ça va, mais c'est possible que d'ici quelques temps ça soit fatigant et que ça me fatigue et que même que ça puisse m'atteindre psychologiquement. Donc voilà, j'essaye de faire très très attention avec ça et avec tout ce que je donne sur internet, tout ce que je vous donne, parce que mine de rien, il faut aussi que je me préserve et que je garde un minimum de vie privée. Donc voilà, je me questionne beaucoup par rapport à ça en ce moment et c'était une toute petite réflexion que j'avais vis-à-vis de ça. Ça va continuer de mûrir, je vais continuer à réfléchir aussi. Je filme pas non plus tout, hein, il faut pas non plus... Il y a plein de moments où je vais pas filmer, il s'est passé plein de choses cette semaine, j'ai décidé de ne pas sortir ma caméra. Donc c'est à moi de faire le pour et le contre et de garder un équilibre tout à fait logique. Mais voilà, c'est quand même assez étrange tout ça, assez étrange comme métier, voilà, c'est... je vous montre ma vie en fait, mais je trouve ça cool parce que ça, enfin, je trouve ça beaucoup plus cohérent puisque au tout début je parlais que d'écologie dans ma chaîne et j'en parle encore beaucoup. Je suis désolée, la lumière est complètement cramée. Ma chaîne aborde encore ça évidemment, c'est juste que j'ai choisi d'emprunter des vidéos un peu plus douces, d'avoir ce contenu poétique pour vous parler de tout ça de manière plus douce, plus chouette, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup de messages, comment dire, très engagés, très politisés, et parfois c'est un peu violent d'avoir tout ça dans la gueule. Et moi c'était voilà, mon choix de vous donner un contenu plus doux pour vous parler de tout ça, un contenu plus poétique qui permet d'aborder les choses en douceur et qui permet d'aborder tout ça voilà, plus tranquillement. Après, les contenus engagés, les contenus politisés, moi aussi c'est quand même engagé et politisé, désolée je refais ma lumière, mais juste de manière plus douce, mais les contenus qui vont plus dans le vif du sujet, qui sont très très engagés, beaucoup plus, comment on appelle ça, beaucoup plus militantistes, des contenus beaucoup plus militants, des contenus beaucoup plus militants sont extrêmement importants et c'est primordial aujourd'hui. Moi, c'est juste que j'ai une autre manière de faire, donc c'est bien d'avoir tout. Mais bon, ça pourrait faire office d'une vidéo, mais c'est vrai que là, avec toutes les images que je vous ai mises de la semaine, ça va peut-être être un petit peu long. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler plus longtemps. Donc voilà. D'autant plus que j'avais autre chose à vous dire. J'ai une très 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 bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai l'honneur de vous annoncer la sortie d'un agenda 2021 sur comment vivre au naturel avec 52 conseils que j'ai rédigé. Donc c'est moi qui ai écrit cet agenda. Il est en collaboration avec les éditions Rustica avec qui j'avais déjà travaillé. En fait, ils m'ont contacté, ils m'ont demandé si ça m'intéressait d'écrire un agenda sur comment vivre au naturel. Bah, clairement, j'ai dit oui. Je trouvais que c'était une super idée. C'est un projet que j'ai adoré faire. C'était super chouette. En plus, j'ai rédigé en grande partie pendant le confinement, donc ça tombait super bien. Et donc voilà, il y a plein de conseils. Attends, je pose le micro, je vais essayer de vous montrer. C'est en fait un agenda. Oh, c'est génial. J'ai une mouche. Avec un papillon. Il y a un semainier, je ne sais pas si vous verrez très bien parce que c'est assez clair. Un semainier et puis les conseils sur le côté. Ah, j'ose plus bouger du coup. Et donc voilà. Je veux pas le... Il est trop beau. Oh bah ça y est, il est parti. Donc voilà, ce petit agenda, donc avec un semainier, il y a un conseil par semaine. C'est des conseils qui sont adaptés aux saisons. Donc voilà, il y a par exemple, je vous spoil un truc, en plein été, comment faire un produit anti-moustique naturel par exemple. En hiver, voilà, il y a d'autres choses. Et donc je suis trop contente, je suis super fière. C'était une trop belle expérience de tester ça et ça me donne clairement envie d'écrire un livre prochainement. Voilà, donc ça m'a permis de me tester vraiment à l'écriture. Et donc voilà, il sera disponible à la vente à partir du 28 août dans toutes les librairies et les grandes surfaces de France. Il se vend à 12,95 €. Donc voilà, si vous voulez l'acheter, eh ben, n'hésitez pas. Mais je fais un concours Instagram pour vous permettre d'en gagner 3 exemplaires. Donc je suis désolée, ce sera uniquement sur Instagram parce que c'est plus pratique, plus facile. Pour les personnes qui veulent le gagner, essayez de vous inscrire sur Instagram si vous voulez, parce que je sais que tout le monde n'est pas sur Instagram. Vous pouvez même créer un compte depuis votre ordinateur, il n'y a pas besoin d'avoir un téléphone portable. Moi, maintenant, j'utilise Instagram sur mon ordi pour répondre aux messages et tout, c'est beaucoup plus pratique. C'est un copain qui m'a donné l'astuce. Donc voilà, donc il y aura 3 exemplaires à gagner. La fin du concours se terminera le 1er septembre. Pour participer, il suffira simplement de s'abonner à la page de Rustica, de taguer 3 personnes en commentaire sous le... parce que je vais faire un post pour ça. 3 personnes sous la publication, et puis bien évidemment d'être aussi abonné à mon profil Instagram. Voilà, en espérant que ça vous plaira, que vous participerez, et puis sinon que en tout cas vous trouvez ça chouette. En tout cas moi j'ai adoré faire ça, c'est trop chouette comme projet d'écriture, et ça avait beaucoup de sens pour moi de rédiger ça. Il est tout doux, il permet vraiment d'embrasser un mode de vie plus naturel, plus lent, plus chouette, tout en douceur au fil des saisons, et donc voilà, c'est trop chouette. J'ai sorti un agenda. Bon je vais continuer à aller jouer avec les chiens dans le jardin. Je vais essayer de vous les montrer, ils se sont mis à côté de moi. Et puis voilà, en tout cas c'était une belle semaine ici et puis je suis contente de partager tout ça avec vous.